Je m'appelle Brahim Abou Lapès, je suis du Maroc et je représente une ONG qui s'appelle Association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature. Je suis déjà venu avec une idée sur la décentralisation. C'est une pratiquement monnaie courante actuellement. Mais en arrivant ici, avec la période passée, j'ai pu voir que la décentralisation n'est pratiquement pas ce que j'avais en tête avant. C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres concepts, beaucoup d'autres politiques, beaucoup d'autres. C'est des choses qui sont énormes et ce sont des choses qui n'est pas facile et aussi qui permettent à atteindre beaucoup de choses. Bon. De toute façon, ce que nous avons vécu comme exercice pratique, les visites de terrain, les visites de la ville, etc., nous montrent ce cas concret de la décentralisation. Et quand on laisse beaucoup, on donne beaucoup la marge de décision vers la collectivité, les résultats ils sont là. Les résultats sont très importants. Ce qui a rendu aussi riche aussi cette formation, c'est la diversité des participants et à chacun, et là sa façon de voir les choses. Ces échanges ont encore enrichi notre bagage en la matière. Ça, c'était très important. Automatiquement, quand on apprend, et session par session, thème par thème, personnellement, je fais le lien avec mon travail, avec ce que je fais, avec ce que je dois faire. Et je ne vous cache pas que durant la période, j'ai même entamé des processus, même par email, pour engager déjà certaines actions d'ici peu. C'est-à-dire que dès que je rentre, déjà je me trouverai avec un grand séminaire qui va regrouper un certain nombre d'acteurs et on va se trouver autour d'une table pour négocier. Et là, ce sont des outils que j'ai pu apprendre ici et grâce à ce cours. Très très intéressant. Donc déjà, en plein cours, je suis opérationnel sur le terrain de retour. Je vais les encourager et surtout de venir avec un projet en tête, déjà, pour pouvoir localiser tous les thèmes qu'ils vont voir ici, qu'ils vont apprendre dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'il faut venir avec non seulement pour apprendre et revenir, mais apprendre et appliquer. Donc moi, je les encourage parce qu'il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de cas pratiques, les exercices, les différents participants. Il y a beaucoup de choses à voir et personne, je crois, qui va regretter une telle formation.